Bon, bah, ça va être le début du vlog. Écoutez, on va partir à Paris. Le concours Voix des Outre-mer commence aujourd'hui sa 6e édition. À l'issue de ce concours, les membres du jury vont voter pour la personne qui représentera l'île de la Réunion le 23 février 2024 à l'Opéra de Paris. Merci, membres du jury, d'avoir accepté de venir ici pour cette 6e édition du concours Voix des Outre-mer. Le choix était dur pour le jury. Non, voici le premier prix. Première nommée est Laetitia. Voici ma valise. Oui, effectivement, ça va être difficile de la fermer. J'ai un peu peur qu'elle fasse plus de 23 kilos. Mais bon, espérons, croisons les doigts que ce ne soit pas le cas. Update, on m'a attribué une chambre qui sent la peinture, donc il va falloir que j'essaye de trouver une autre chambre. Donc je vous tiens au courant, je suis fatiguée, j'en peux plus. 2 hours later. Eh bien, on a trouvé une solution, ça devrait être bon. J'ai une chambre, je vous cache pas que je suis hyper fatiguée, mais il faut que j'aille chercher 2-3 trucs à manger, donc je vais faire des petites courses. J'ai une tête horrible, hein. Mais bon, c'est bon. Je suis passée quand même par une petite crise de panique parce que, mon Dieu, j'ai eu peur de me retrouver sans chambre, mais ça va aller, c'est bon, j'ai une chambre. La cité universitaire, vous avez plusieurs maisons. Il y a des maisons qui appartiennent à plusieurs pays, donc enfin, par exemple, il y a la maison Monaco, Fondation Monaco, Fondation Maison d'Italie, Maison des Provinces, voilà. Donc un peu tout ça, quoi. Bon, je vous retrouve avec une tête un peu plus potable dans la salle de bain. Je me suis changée, j'ai mis un petit pull, couleur un peu beige, non beige. Je vais aller chercher une serviette, parce que j'ai pas emmené de serviette, j'ai oublié. Et j'ai besoin aussi d'un collant, parce que je n'ai pas de collant, et d'une écharpe pour protéger ma voix. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. J'ai trouvé sur internet que le centre commercial le plus proche c'était un truc d'Italie, je sais plus comment ça s'appelle. Donc on va aller là-bas. Je vous emmène avec moi dans les péripéties de Réunionnaise à Paris, parce que sachez que j'ai pas du tout l'habitude de prendre le métro. Mais je me suis dit, allez, vas-y, prends le métro. J'espère que je vais y arriver. En tout cas, vous êtes avec moi, je ne suis pas toute seule. Donc c'est parti, on va aller faire ça ensemble. Pas faite pour habiter en métropole. J'ai trop du mal à trouver les arrêts. Regardez ça, un truc sur TikTok. Je vais aller faire un tour. Bon, et bien, c'est bon, je rentre. Donc voici la chambre. Donc on arrive ici directement sur la chambre. Il y a un porte-habits. Et ici vous avez le truc pour mettre les manteaux. Et un tout petit lit, tout petit. J'ai pas encore défait ma valise parce que j'ai pas... Franchement, je suis trop fatiguée. Là vous avez un petit bureau, tout mignon je trouve. Non, regardez pas mes poubelles. J'ai déjà jeté des trucs dedans. Là, bah, des petites étagères. C'est super sympa je trouve. Et un petit frigo, voilà. Et ici, donc je sors de la salle de bain, donc c'est un peu mouillé, hein. La salle de bain avec un petit miroir ici, voilà. C'est très petit, hein, mais franchement
Je trouve que c'est assez. Si j'avais été étudiante et que j'aurais fait mes études sur Paris, je pense qu'un petit truc comme ça, ça m'aurait suffi. J'aurais peut-être aménagé un peu plus. Mais vraiment, je trouve que c'est plutôt sympa et que les étudiants sont plutôt bien logés. Jusqu'à pas de cuisine, ça c'est... Mais voilà, c'est mignon. Voilà, je vous laisse. Et demain, c'est parti pour le deuxième vlog. Donc là, c'est la journée où on va rencontrer tous les candidats et tout. Et voilà, je vous emmène encore avec moi. Bisous.